Qu'est-ce que c'est beau cet endroit. Les gens aiment bien venir ici pour se reposer, se ressourcer. Il y a beaucoup de fleurs, des belles couleurs, des oiseaux. Et il y a même des oies qui se baladent à 1 mètre de toi. Tiens, Mario, ce chien, je me souviens. Il avait l'air tranquille ici. Et puis, on a même l'impression qu'il y a de l'eau. Juste une impression. Ah tiens, une jolie carte. Et puis en fait, si tu remontes en arrière et que tu te déplaces un tout petit peu pour regarder ce qu'il y a derrière, tu vas observer plein de choses. Et ces choses-là, en fait, c'est pas des fleurs, c'est pas des belles couleurs, c'est pas des gens qui se baladent. C'est la réalité. C'est ce qui se passe en ce moment. Si tu t'approches un peu et que tu lèves la tête, t'as juste à regarder devant toi. Tu penses qu'il y a de la vie là-dessous? Et là, tu te dis merde. T'as pas l'impression que ce qui se passe en dessous, c'est en train de crever? Le pire dans tout ça, c'est que si tu regardes un peu, les gens, ils viennent quand même se baigner ici. Et puis si tu baisses la tête, à tes pieds, tu verras la réalité. Alors oui, on est bien quand même autour de ce lac. Mais si tu regardes un peu plus loin, on est en train de faire complètement n'importe quoi. Alors quoi ? On continue de rien faire ? On continue de tout perdre ? Et ce qui se passe sous l'eau dans tout ça, on en fait quoi ?